Dessous les roses, c'est deux frères et une sœur qui se retrouvent dans la maison familiale la veille de l'enterrement de leur père, puis la soirée qui suit cet enterrement et le lendemain matin. Et à la faveur de cet événement qui est bien sûr, disons, triste, en tout cas qui va causer évidemment du chagrin, on va aussi assister à le règlement de compte ou en tout cas à l'exploration de ces relations très étranges qui sont les relations qu'on entretient avec nos frères et sœurs une fois devenus adultes. L'idée de la confrontation, elle vient vraiment, elle est à la source du livre lui-même, c'est-à-dire que j'ai essayé d'inventer, ou enfin, en tout cas d'avoir recours à une forme qui emprunte d'ailleurs beaucoup au théâtre, qui emprunte au huis clos, qui permettait cette confrontation, parce que c'était vraiment le point de départ du livre, arriver à enfermer ses frères et sœurs dans le présent et faire comme enjeu principal du livre ce qu'on se dit, ce qu'on ne se dit pas, ce qu'on voudrait se dire, ce qu'on entend quand l'autre parle, quand on est réunis entre frères et sœurs. La manière dont chacun, même quand les parents ne sont pas là, même une fois adulte, retrouve son rôle. L'aîné, le petit dernier, celui du milieu qui cherche sa place, etc. Et puis, ce que j'ai rajouté, c'était... en fait, je voulais aussi parler de ce truc qui est que quand on parle entre nous, entre frères et sœurs, de notre enfance, il y a deux choses. D'abord, nos parents, ils ont toujours, c'est toujours ce mystère. Ils disent, mais enfin, on vous a élevé de la même manière, ce qui est totalement faux, bien sûr. Vous avez grandi au même endroit, dans le même contexte socio-culturel. Comment vous avez pu devenir si différent? Emprunter des chemins professionnels, affectifs, sociaux, et même avoir des caractères si différents. Enfin, je crois qu'on a tous connu des parents qui ont dit ça de leurs enfants. Et de l'autre, dans l'autre côté, quand on se parle de nos enfants ou de nos propres parents, il y a des menteurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un pour dire, mais non, papa n'était pas comme ça, maman n'était pas comme ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que tu racontes, ce n'est pas vrai, ça n'est jamais arrivé. On a autant de versions de l'histoire que de protagonistes. Donc c'était vraiment ça que je voulais mettre en scène, avec un personnage, entre guillemets, problématique qui fait exploser cette question-là, justement cette question du récit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puisque c'est Paul, le frère du milieu, qui est dramaturge, metteur en scène, scénariste, réalisateur, et qui pendant toute sa carrière, depuis 20 ans qu'il fait des films et des pièces, a allègrement pillé l'histoire familiale, menti, dit la vérité, et dans les deux cas on le lui reproche d'avoir menti ou d'avoir dit la vérité. Il se disculpe en expliquant qu'il parle de sa vie, il a le droit de faire ce qu'il en veut. Simplement le problème c'est que dans sa vie, il y a aussi ses proches, dont ses frères et sœurs, qui vont, surtout le petit frère, profiter entre guillemets de ce rassemblement, puisqu'ils ne se voient plus si souvent que maintenant, et aussi être entraîné par le chagrin et l'alcool à essayer de lui intenter une sorte de procès et de lui faire lui dire vraiment le fond de leur pensée sur cette manière de jeter en pâture leur propre vie, de mentir, de les maquiller. Mais eux, leur problème, c'est qu'ils se reconnaissent tout le temps dans ces films et ces pièces qui sont vues par des étrangers. La source même du livre, il y a l'idée du théâtre. D'abord, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais obsédé par le théâtre et l'envie même d'écrire du théâtre. En même temps, dans ce livre, c'est tout entièrement la première personne. On change de personnage, donc on a accès à l'intériorité des personnages, ce qui est bien sûr une limite qu'on ne peut pas franchir au théâtre. Mais néanmoins, je l'ai entièrement écrit avec une mise en scène en tête. C'est-à-dire que j'imaginais ce jardin de la maison familiale et une maison de verre, comme dans une mise en scène de Simon Stone à Odéon sur un Tchekhov. Tchekhov qui était aussi le guide absolu de ce livre, Tchekhov et Philippe Roth, mais pour le théâtre c'était Tchekhov. Donc une maison de verre où on verrait le salon commun, les chambres qui sont les anciennes chambres des enfants, et où on pourrait continuer à suivre pendant qu'on lit ou pendant qu'on regarde la pièce. C'est-à-dire que quand ils sont deux, quand tu as deux frères dans le jardin par exemple, et qu'il y en a un fâché qui est remonté dans sa chambre, on le voit dans sa chambre en train d'écrire le discours pour l'oraison funèbre du lendemain, et en même temps comme la fenêtre est ouverte, il entend ses autres frères et sœurs en train de parler, et il s'énerve ou il réagit, et donc il y avait cette idée comme ça d'emblée d'avoir conçu le livre entier quand je l'ai écrit, sur cette... et puis aussi d'avoir recours à deux choses. C'est d'abord le théâtre, c'est l'art du présent. Donc si on parle du passé, il doit réaffleurer dans le présent, dans les conversations,
On n'aura pas de flashback sur comment c'était en vrai, sur l'enfance. Et en fait, on doit en permanence faire avec la cyclothymie des sentiments et aussi ce qui nous est donné. C'est-à-dire que notre appréhension des personnages, elle ne passe que par leur présence physique et ce qu'ils se disent ou ce qu'ils taisent. Et on n'aura pas de. Et donc, ça place le spectateur, et là en l'occurrence le lecteur, dans une situation où il va tour à tour aimer, détester chaque personnage, donner raison à l'un, puis donner tort à l'autre. Donc, ça, j'avais vraiment envie d'utiliser cette arme hein, qui me semblait particulièrement forte sur cette question des frères et sœurs, quoi.